le vacarme au lit. Allez. Seule boîte, ferme-toi, c'est bon. Oui. Terrible, je te dis, terrible, terrible. Surprise, surprise, surprise pour mes amis grands et petits, jeunes et vieux. C'est moi, monsieur Surprise, c'est toi, mon ami. Mais oui, c'est toi, mon ami. Je suis heureux de te revoir, d'ailleurs, aujourd'hui. Aujourd'hui, hier et demain. Puis je suis heureux, de toute façon, que tu sois là, que ce soit toi qui sois là, surtout. C'est pourquoi je te dis, c'est moi, monsieur Surprise, Surprise. T'as entendu tantôt le vacarme qui vient là? Oh, comment? Ça t'inquiète? Mais non, sois pas inquiète, ça, non, tiens. C'est simplement qu'on se prépare à faire un joyeux petit pique-nique. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour aller en pique-nique? Il faut des friandises, hein? Il faut un peu de jambon, un peu de poulet, des choses comme ça. Puis il faut aussi quelques liqueurs douces. Alors figure-toi que Naphtaline, qui est gourmande comme pas une, qui a constamment soif, et que Casimir, qui lui est toujours à l'affût d'un gros lot quelconque, ils se sont mis en tête... Ah ben non, je ne vais pas te raconter l'histoire, je veux simplement que tu la regardes. Tu veux bien? Un tablier et quatre poches pour y fouiller comme une sacoche. Et des idées plein la caboche qui fait chanter, qui fait crier, qui fait danser, qui fait sauter, qui fait rire, qui fait sourire. C'est qui? Comment? Marie, Marie, quatre poches, des idées plein. Comme ça, vous feriez peut-être mieux de m'aider à préparer le pique-nique. Tiens, toi, Casimir, tu vas aller chez l'épicier. Mmh. Tu vas aller me chercher un carton de liqueur douce et un panier pour mettre nos provisions, hein? Mmh. Toi, Naphtaline... Ah, il fait trop chaud, moi, je peux pas bouger. Naphtaline, c'est vrai qu'il fait trop chaud. Mmh. Tiens, Naphtaline, je vais te donner ma dernière liqueur. Oh. Et ensuite, tu vas m'aider, hein? Oh, oui, oui? Ma... Et moi, Maria Poche? Toi, Casimir, quand tu auras terminé ta commission. Oh, bon. Oh, donne-moi la capsule. Pourquoi? Ben, donne-la-moi pour ma collection de capsules. Parce que quand j'aurai terminé, je vais gagner de bons prix. Tu collectionnes... Oh, mais mon pauvre Casimir, pour collectionner, il faut être patient et persévérant. Et toi, ben oui. T'es paresseux. Oh. Ben oui, t'es paresseux, tiens. Ça donne quand même ta capsule. Peut-être que dans 10 ans, tu auras terminé ta collection. Moi, je terminerai avant que le pan pleure et casse-toi. Alors, dépêche-toi en attendant. Casimir collectionneur. Eh bien, on aura tout vu. Mais ma bouteille, Marie-Cette. Oh, j'oubliais. Excuse-moi. Oh, j'ai soif. Mais c'est bon. Oh, il fait chaud. Écoute, Naphtaline, va boire dehors, c'est plus frais. Hein? Oh, mais t'as bien raison, merci, Marie-Cette. Ah ben, je reste encore avec tout le travail sur les bras. Oh, j'ai soif. Oh, c'est bon. Tiens, tiens, tu as terminé ta bouteille, Naphtaline? Oh, oui, Casimir. C'était trop bon. Est-ce que tu en voudrais une autre, par hasard? Oh, oui, Casimir. Tiens, attends, je ne crois pas. Tiens, voilà. Je te donne une bouteille, mais je garde la capsule. Oh, merci, Casimir, c'est bien gentil. Mais qu'est-ce que tu vas dire à Marie-Cette Poche parce qu'elle ne t'a pas apporté le panier de provisions? Mais non, c'est une surprise, je vais lui faire une surprise. Mais quand j'aurai terminé ma collection de capsules, bien, je lui donnerai en cadeau le gros lot que j'aurai gagné. Oh, c'est une bonne idée, ça, oui. Casimir. Mais pour ça, Naphtaline, il va falloir que tu boives toutes les bouteilles de liqueur. Oh, moi je suis capable parce que j'ai bien espoir. Oh, ben alors, attends. Ah, je vais te laisser tout ça, ma Naphtaline. Oh, oui, j'ai bien espoir. Ah. Oh, j'ai bien espoir. Avec toi parce que j'ai bien espoir. Oui, attends. Mais Naphtaline, attention à Naphtaline, hein. Tu vas boire toutes les bouteilles, mais... Oui. Il faut pas que Marie Quatre Poches te voie. Oh non. Compris? Oh oui, Casimir. Bon, alors je reviens. A tout de suite. Oh, oh Jésus.
bah bravo, mon Casimir, tu t'es dépêché. Oh, mets les dents dans le frigidaire, s'il te plaît. Oh, Marie-Quatre Poches, est-ce que je pourrais pas en avoir une tout de suite? Bah, t'es tellement gentil, je peux rien te refuser. Attends. Tiens. Oh, oh merci. Et moi aussi, j'en prendrais bien une. Oh, bah tiens, voilà, moi, je m'en ouvre une autre, Marie-Quatre Poches. Oh. Oh. Oh, c'est bon. Oh, j'ai chaud. Ouf. Oh, ça fait du bien. Oh oui. Maintenant, Casimir, il faut se remettre au travail, hein. Si on veut que le pique-nique soit prêt. Est-ce que ouais. Tu as d'autres commissions, Marie-Quatre Poches? Ben non, là, je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. Oh! Mais non, mon jambon. Le jambon? Casimir, cours vite chez le marchand chercher un bon grand jambon. Tout de suite, Marie-Quatre Poches, tout de suite. Voilà, merci. Casimir. Oui, Marie-Quatre Poches. Où est passée Naphtaline? Elle n'a pas terminé de boire sa bouteille. Ah, ça lui prend du temps à boire sa liqueur. Oui, c'est bon. Mais vas-y, Nathalie. Oh, j'ai soif. Serre-toi, je reviens tout de suite. Nathalie. Oui, Marie-Quatre. As-tu fini de boire ta liqueur? Oh, non, pas tout à fait, Marie-Quatre. C'est trop bon, je le sirote. Oh, ben, Nathalie, dépêche-toi, quand tu auras fini, tu viendras m'aider, hein. Je me dépêche, Marie-Quatre. J'ai soif. Ça lui prend du temps à boire une liqueur. Moi, j'aurais le temps d'en boire trois pendant qu'elle en boit une. C'est bon. Eh ben, il fait beau, mais il fait chaud. T'as enfin fini. Mais oui, c'est parce que j'ai encore soif, Marie-Quatre. Ben, je vais t'en donner une autre, Naphtaline. Pas tout de suite, Naphtaline. Ah non. Mais pourquoi, Marie-Quatre Poches? Ben, Naphtaline, c'est pas bon de boire deux liqueurs de suite. Il faut laisser à l'estomac le temps de digérer. Mais je savais pas ça, moi. Naphtaline a fini de boire toutes ses bouteilles. Oh, c'est formidable. Maintenant, j'espère qu'avec les capsules de ces bouteilles-ci, je vais remplir la deuxième tirelire, Oui, il y a un problème. Le jambon que je devais acheter. Si Marie-Quatre Poches s'aperçoit que j'ai acheté de la liqueur avec son argent, elle va être furieuse. J'ai une idée. Non. En attendant le gros lot, ceci fera le plus beau jambon de la boîte à trouver. Enfin, jambon, merci beaucoup, mon Casimir. Je mets au réfrigérateur, Marie-Quatre Poches. Mon Dieu, qu'il est gentil aujourd'hui. Oh, Marie-Quatre Poches, est-ce que je pourrais avoir ma liqueur maintenant? Mais bien sûr. Je vais te l'ouvrir. Oh, merci. Une autre capsule. Tiens, tiens, tiens. Oh, merci. Tu collectionnes toujours tes capsules, mon Casimir. Tu auras peut-être fini avant la semaine des 4 juillet. Je finirai quand je finirai. Bon, eh bien, mes enfants, départ dans 5 minutes pour notre grand pique-nique. Tu es sûr de ne pas avoir besoin de moi pour d'autres commissions, Marie-Quatre Poches? Ben non, mais j'ai presque envie d'en inventer une pour te faire plaisir. Alors, en attendant, je vais aller avec Naphtaline. Ben, allez, attends, je n'ai pas fini, moi. Mais ça dépêchez-vous, allez-y, dehors. Moi, je finis, et quand j'ai fini, je vous appelle. C'était bon. Eh ben, tu l'as bu vite, celle-là. Ben oui, c'est parce que j'avais très soif. Est-ce que tu viens, Naphtaline? Oui, j'y vais. Bon, j'espère qu'avec les capsules de ces bouteilles-ci, ça va terminer ma collection. Oui, j'ai soif. Tu as soif? Ah ben, ça tombe bien, Nathalie, justement. J'ai ici spécialement pour toi toute une caisse de belles bouteilles. Oh, tu es très gentil, Casimir. Oh, allez boire. Non. Moi, je vais aller chercher mes deux tirelires de capsules pour voir si je pourrais pas les remplir. Ne bouge pas, hein, Nathalie, je reviens tout de suite. Allez, bois. Pique-nique-nique-nique, nous allons nous amuser, nous allons manger du jambon, de la salade, de la bonne marmelade, de la bonne marmelade, de la bonne marmelade, de la bonne marmelade. C'est bon. Oh, mais j'ai soif. J'ai soif. Voilà, mes deux tirelires de capsules. Quand je
j'aurai fini de remplir la deuxième tirelire, eh bien, j'aurai gagné le gros lot, puis je pourrai l'offrir en cadeau à Marie Quatre Poches. Oh non, celui-ci est déjà plein. Mais j'en aurai jamais assez pour remplir la deuxième tirelire. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pourtant demander à tous mes amis de la boîte à surprise de m'apporter leur capsule, mais non! Ouf, personne n'est venu! Oui, Marie Quatre Poches, oui. Ça y est, le coup est manqué! Non, 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 reste assis, hein, Naphtaline? Oui. Non, reste bien assis. Naphtaline, Casimir, allez! Oui, oui, nous arrivons, Marie Quatre Poches! Nous arrivons, Marie Quatre Poches. Naphtaline! Oui. Ne bouge pas, j'ai une idée! Casimir, où as-tu mis le panier que tu es allé acheter? Le panier, je l'ai laissé dehors. Ah bon? Mais Marie Quatre Poches, avant de partir, est-ce que... j'ai une petite faveur à te demander. Demande. Eh bien, c'est tellement gentil, je peux rien te refuser. C'est que je voulais offrir un cadeau à Naphtaline, mais je n'ai plus tellement d'argent, alors... Je vais t'en prêter, mon Casimir. Allez, prends-en dans ma bourse, tu me le rendras. Oh, merci, Marie Quatre Poches. Avec ça, je les aurai, mes capsules. Merci, Marie Quatre Poches. Oh, ne sors pas avant que je revienne, hein. Ah, non, il y a autre chose, c'est que Naphtaline et moi, nous t'avons réservé une petite surprise. Une surprise? J'ai hâte de voir ça. C'est bon. Mais c'est sûr, c'est toi. Continue, Naphtaline, tiens bon. Nous l'aurons notre gros lot. Oh, oui. Une surprise. Je me demande bien ce que ça peut être. C'est peut-être un gros bouquet de fleurs. Oh non, ou alors une robe soleil pour aller avec mon chapeau. Oh là là. Bon, ben alors je sortirai le jambon à la dernière seconde, comme ça il sera plus frais. Il a l'air curieux. C'est peut-être une nouvelle marque. Naphtaline! Oui, Marie-Catherine. Naphtaline, as-tu vu le panier de pique-nique? Le panier de pique-nique? Non, Marie-Catherine, je ne vois pas le panier de pique-nique. Ben. C'est curieux, ça. Jambon là aussi, à l'air curieux. Mais c'est le chapeau de Casimir. Eh ben, je vais tirer ça au clair, moi. J'appelle l'épicier tout de suite. Je suis tellement fatigué pour faire plaisir à Marie Gaspard que je pense que j'aurai pas la force d'aller au pique-nique. Oh, mais j'ai encore pris mes précautions, j'ai demandé à l'épicier de déboucher toutes les bouteilles. Oui, j'arrive, Marie Gaspard, j'arrive. Oh, cette fois-ci, mon cochon, il est complètement plein. Tu as soif, Naphtaline? Eh bien, sers-toi, tout ça c'est pour toi. Oh, merci, Casimir. Où as-tu mis le panier à pique-nique que tu devais acheter tout à l'heure? Eh bien, je l'ai mis dans le réfrigérateur. Ah oui, et Casimir, quel cadeau as-tu acheté à Naphtaline avec l'argent que je t'ai prêté? Oh, mais je lui ai acheté une corde à danser, puis un ballon, et puis Casimir, l'année de tremble. L'année de tremble? Oui, Casimir, parce que premièrement, tu n'as pas acheté de cadeau à Naphtaline. Ah. Deuxièmement, tu n'as pas acheté de panier à pique-nique. Et troisièmement, le jambon, le voici, mon Casimir. Mon chapeau. Et quatrièmement, mon Casimir, l'épicier vient de me dire que tu lui as acheté plus de liqueur aujourd'hui qu'il en a vendu depuis le début de la semaine. Alors, qu'est-ce que tu as à répondre à tout ça, mon Casimir? Ben, rien. Oh, mais tout cela, c'est... Ben, tout cela, c'était pour ta surprise. Quelle surprise? Mais le gros lot. Le gros lot? Mais oui, le gros lot que je viens de gagner en terminant ma collection de capsules, et le gros lot Marie Quatre Poches, je te le donne en cadeau. Toi, tu as terminé ta collection? Oui, Marie Quatre Poches. J'ai rempli mes deux tirelires, elles sont dehors, elles sont près de la porte, tu peux bien voir, j'ai gagné. Deux? Bon, Casimir, c'est pas deux tirelires qu'il fallait remplir, c'est trois, tiens. Regarde le règlement. Trois? Mais oui. Mon Dieu, je me suis trompée. Alors, qu'est-ce que tu as fait avec toutes les liqueurs? Ah bah les liqueurs... La demi-heure, elles étaient là, oui. Naphtaline, c'est moi, Marie Quatre Poches. Comment sens-tu? Naphtaline? Je me sens très bien, bon. Marie Quatre Poches. Mais quoi? Mais des fois. Ah bah alors, c'est bon signe, c'est qu'elle va mieux. Avec tout ça,
Mon pique-nique est à l'eau, moi. Je m'excuse encore une fois, Marie-Casse-Poche, mais je me suis trompé dans le... dans le règlement. Mais avec tout ça, il commence à pleuvoir. Et de la graine, par-dessus le... Mais c'est pas de la graine. Ouh, mais ce sont des capsules. Des capsules. Oh, mais... Oh, Marie-Casse-Poche, regardez sur le toit, c'est monsieur surpris. Oh, il nous demande des capsules. Merci, monsieur surpris. Oh, nous avons gagné, gros long. Et on nous l'a porté, regardez si nous avons gagné. C'est merveilleux, on va pouvoir amener tous nos amis de la boîte à surprise en pique-nique avec nous. Mais Marie-Casse-Poche, est-ce que vous allez m'amener aussi? Mais bien sûr, Naphtaline, puisque tu es guérie. Je suis guérie, mais... j'ai soif. Pique-nique, nous allons nous amuser. La sorcière passe. Oh, tiens, tiens. Voilà mon Casimir. Oh, puis tiens, tiens mon Casimir. Oh, ben, il a l'air content, le Casimir. Il a l'air content. Et puis, tu sais qui est content aussi? Croque-Note. Ben oui, figure-toi, c'est fort agréable de pouvoir rendre de petits services comme ça, tant à Casimir qu'à Croque-Note. Croque-Note avait un devoir à faire, devoir que lui a demandé, évidemment, d'exécuter le professeur Allegro du solfège. Il s'agissait pour lui de bien apprendre sa gamme. Attends, attends, je vais lui demander. Croque-Note! Oui, monsieur Surprise. Alors, on a assez bien la gamme? Oh oui, monsieur Surprise. Est-ce que tu veux chanter avec moi? Oh, j'aimerais bien, monsieur Surprise. Ça ferait plaisir aux amis en plus. Ah oui? Hein? Allez, vas-y. Or redingote. Or redingote. Échappeau claque. Échappeau claque. Oui, pas une paire de claques, un chapeau claque. Chapeau claque. Chapeau claque. Chapeau claque. Sur une note. Sur une note. Il attaque. Il attaque. La symphonie. La symphonie. D'un grand manège. D'un grand manège. D'un grand quoi? Manège. Un ma quoi? Un manège. Oh, yo, yo, yo. Merci beaucoup, Croque-Note. C'est terrible. Oh, redingote. Des chapeaux claques sur une note, il attaque la symphonie d'un grand manège. Attention, les voici, oui, c'est lui, mon ami, Allegro du solfège. Croque-Note, Croque-Note, qu'est-ce que tu as? Tu boudes? Je ne boude pas, professeur. Non? Non, j'ai une surprise pour vous. Une surprise? Oui, j'ai fait un devoir de musique. Mais comme je suis timide, j'ai peur de vous le montrer. Et tu as fait un devoir de musique, toi, mais avec quoi? Oui, professeur, dans votre dictionnaire, il y a oui. Toute une grappe de cerises. Hein? Alors, je m'en suis fait une, moi aussi, en vous attendant. Une grappe de cerises dans mon dictionnaire de la musique? Oui. Je n'en vois pas, je vois une gamme, je vois le nom d'un compositeur, Charles Gounod, et je vois aussi grosse caisse, mais des cerises, non, vraiment, je ne vois pas. Tenez, voyez-vous mieux comme ça? Ah, tu as fait une gamme, oui. C'est mieux, ça, Croque-Note. Oh, vous me chatouillez, professeur, vous me chatouillez. Oui, à la lettre J, aujourd'hui, je devais vous parler de gamme. Croque-Note, c'est Croque-Note qui a fait le professeur à ma place. Mais Croque-Note s'est légèrement trompé. Alors, je vais rectifier à l'aide de mon dictionnaire de la musique. Et vous voyez ici une gamme en clé de sol. Alors, je commence. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Et voilà. Si vous voulez trouver la gamme sur un piano, si vous voulez jouer la gamme, vous n'avez d'abord qu'à trouver la note do, qui est toujours sur une touche blanche, comme ceci. Et puis, vous jouez les sons successifs. Et puis vous revenez. Et ainsi vous avez joué une gamme complète. Mais sur les violons, cependant, il y a aussi une gamme. Mais le do, ré, mi, fa, sol, la, si, do se trouve sur les cordes. Et on mesure la hauteur des notes avec les doigts, oui. Enfin, ce serait plus simple si j'avais un violon pour vous montrer. Oui, Croque-Note, qu'est-ce qu'il y a? Professeur, venez ici, j'ai un secret à vous dire. Oui, quoi? Je veux finir sur un violon. Oui. Vous savez quoi, les amis? Croque-Note veut devenir violon maintenant, pour vous montrer. Eh bien, on va essayer. On va essayer. Allez, viens, Croque-Note. Allez, appuie ta tête sur mon épaule. Fais ça. Et regardez bien, les amis. C'est comme ça, un violon. Vous voyez?
Oh, oh, ça fausse oh, un brin, je crois. Je fausse, hein. Il me semble. Professeur, vous seriez gentil d'ajuster un peu mes cordes. Oui, et comment? En tournant mes oreilles. Ah, en tournant tes oreilles. Oreilles. Bon, oui. Si tu veux te tenir droit, oui. Je vais essayer. Oui. Ah, ah, ça va mieux. Et pour l'autre. Ah, aussi. Allons, alors, recommençons pour vrai. Je me sens mieux maintenant. Oui, sans doute. Oh, merci beaucoup, Margot, c'est très bien. Ah, je suis content. Puis ne viens pas me dire surtout que tu veux devenir grosse caisse. Maintenant, je ne te croirai pas. Grosse caisse? Oui, sois gentil. Oh, allez, retourne à tes cerises et moi, je vais continuer ma leçon. Les enfants, la grosse caisse, bien, c'est tout simplement un tambour. Oui, un tambour sur lequel on frappe avec une maillotche, comme ceci, qui fait... Oui, vous en avez sûrement vu dans les parades. Dans les parades, oui, il y a toujours une grosse caisse qui suit la fanfare. Professeur, professeur, oui, j'ai un autre secret à vous dire. Hein? J'ai la grosse caisse, Non, croque-note, ça, je n'oserai jamais. Osez, professeur, oui? C'est aussi dur, ma tête, qu'une noix de coco. Ah, eh bien, si tu insistes, croque-note. Allez, tourne ta tête un brin, qu'on va de l'autre côté. Ah, ah. Ah. Oh, mais c'est vraiment merveilleux. Oui. Tu es une bête enchantée, croque-note. Oui, tous les professeurs de musique devraient avoir un compagnon comme toi à leur côté. Professeur, est-ce que je pourrais chanter? Est-ce qu'il n'y aurait pas dans votre dictionnaire de la musique un monsieur qui aurait composé quelque chose pour que je fasse des clics? Oui, j'ai justement ici le nom d'un grand compositeur français, Charles Gounod, qui a écrit des opéras admirables. Ah bon? Et si tu veux, je vais t'accompagner au piano et tu vas chanter un air de Faust, le cœur des soldats. Le cœur des soldats. Oui, je te donne la note pour commencer et tu chantes. Cui, cui. Ça va? Oui. On y va. Cui, cui, pit, 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 pit. Cui, cui, pit, 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 pit. Bon, ben maintenant que le gros lot de Casimir est gagné, que la leçon de musique est bien faite, que les violons sont bien accordés, moi je pars en pique-nique. Avec qui? Avec qui? Je te le dis dans 20 secondes. A tout de suite. Bon. Je pars avec l'oncle Herbert. Comment tu savais pas que l'oncle Herbert... Mais si, il part en pique-nique quelquefois. Il part en pique-nique avec Mozart, avec Haydn, avec Monsieur Bach, avec Monsieur Handel. Oui, il adore les pique-niques et je veux dire autre chose, il est gourmand. Ah, il est gourmand. Tu sais ce qu'il a fait l'autre jour? Qu'est-ce que tu aimes le mieux, oncle Herbert? Des papillotes. Au milieu de son clavier, entre trois notes, oncle Herbert a déposé des papillotes. En pleine symphonie, il en déguste la do, la mi sol si, comme un auguste, auguste. Au milieu de son clavier, entre trois notes, oncle Herbert a déposé des papillotes. Au milieu de son clavier, entre trois notes, oncle Herbert a tout croqué. T'as bon appétit. C'est papillotes. Tu sais, le bruit que tu viens d'entendre, c'est la voix de la conscience de l'oncle Herbert. Eh oui. La voix de la conscience. Tu veux, demain, je vais te dire ce que c'est la voix de la conscience. Il y aura Maboule, il y aura Jeanneton, il y aura Pecno. Alors au revoir, il y aura toi. Et à demain, pour une voix, la tienne. Demain, vois ta surprise, demain, surprise. Et maintenant, 1000, 100 000, 1 million...